Alors ici, on va s'attaquer à donner le nom d'une molécule maintenant un petit peu plus compliquée. Donc on va dessiner une molécule et puis comme d'habitude, on va essayer de déterminer quelle est la chaîne la plus longue. Donc il faut compter le nombre de carbones. Si je regarde simplement cette chaîne ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbones. Par contre, si je pars d'ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carbones. Donc la chaîne la plus longue est composée de 10 carbones ici. Je vais la repasser en bleu pour qu'on voit bien quelle est la chaîne la plus longue. Donc pour le nom, on a une chaîne à 10 carbones qui ne comporte que des liaisons simples entre les carbones. Donc on sait qu'on a affaire à un alcane, donc on va avoir la terminaison ane. Comme il y a 10 carbones, eh bien on va avoir affaire à un décane. Ensuite, il s'agit de numéroter la chaîne carbonée de manière à positionner ceci, qui est une ramification à 2 carbones. Donc on a un 2 carbones. Donc on va avoir un groupement qu'on appelle un groupement éthyle. Donc il est positionné sur ce carbone. Je numérote la chaîne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc voilà pour la numérotation de mes carbones. Et je vois que le groupement ici, qui a 2 carbones, donc éthyle, est placé sur le carbone numéro 5. Donc j'écris que j'ai le 5-éthyl des cannes. Voilà, alors maintenant on va compliquer encore un peu. Donc je vais copier ça et je vais rajouter un autre groupement éthyle, par exemple ici, donc à 2 carbones. J'ai bien à nouveau 2 carbones rajoutés en ramification 1, 2. Donc comme j'ai la même chaîne carbonée, je vais avoir la même racine de nom qui est le DEC. Comme j'ai toujours que des liaisons simples entre les carbones, j'ai bien un décane. Et là, ce qui se passe en fait, c'est que j'ai deux ramifications identiques. À chaque fois, ce sont des groupes à deux carbones, donc ce sont des éthyles. J'en ai un sur le carbone 5 et un sur le carbone 6. Et alors là, je pourrais écrire 5-éthyl, 6-éthyl-décane. Mais en fait, ce qu'on fait pour raccourcir le nom, au lieu d'écrire deux fois, on écrit entre virgules les deux carbones qui portent les groupements éthyles. Donc 5,6. Et puis, pour préciser que j'ai bien deux groupements éthyles, je rajoute le préfixe di devant éthyl. Donc diéthyl-décane.